clap de fin pour Marco Verratti. Marco Verratti quitte le PSG. Marco Verratti s'en va pour le Qatar, les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marco Verratti, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Marco Verratti et le PSG, c'est terminé. C'est vraiment dommage, les amis. Pourquoi c'est dommage? Parce que pour moi, Marco Verratti, c'est un mec qui aurait, il aurait plus apporté au football. C'est juste que il n'a pas été assez professionnel. Et lorsque tu n'es pas assez professionnel, tu le payes cash. On l'a vu avec Eden Hazard. On l'a vu avec Eden Hazard. Lorsque tu n'es pas professionnel, tu le payes. On l'a également vu avec Neymar. Lorsque tu n'es pas assez professionnel, tu vas le payer cash. Le football demande des sacrifices. Tu dois te priver de certaines choses pour un moment, pour être au top. Et Marco Verratti, certainement, il ne l'a pas fait. C'est dommage parce que pour moi, en termes de talent intrinsèque, il avait beaucoup de qualités. Il avait vraiment beaucoup de qualités. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur Marco Verratti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!